Bienvenue, bonsoir chez vous, bonsoir chez vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous me recevez. Alors, nous sommes de retour pour un nouveau numéro sur notre émission préférée, GLC Show. Je vous invite encore à vous abonner aujourd'hui, à liker la page et à nous recevoir chez vous. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau et nous allons parler de quelque chose de très important, quelque chose qui touche. La communauté chrétienne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout dans le monde. Nous avons une invitée, disons, une invitée très belle et qui va nous parler de son parcours et de sa musique, de son témoignage. Alors, avant de commencer les hostilités, je vous invite à vous abonner sur notre page. Pour vous qui nous recevez pour la première fois chez vous, je vous invite à vous abonner, à liker la page et surtout, surtout, laissez vos commentaires. Ça nous aide à beaucoup évoluer. Alors, avant de passer la parole à mon invité, je voudrais aussi vous inviter sur l'église sur place ici à Charlotte. C'est une église qui fait beaucoup dans la prière. Nous vous invitons sur place. L'adresse et la localité va s'afficher sur votre petit écran. Je vous invite personnellement à notre service de mercredi à partir de 18h à 19h30. Nous avons aussi un culte de prière tous les vendredis à partir de 18h à 19h30. Je vous invite aussi le dimanche, nous avons un service d'adoration à partir de 10h à 12h30. Je vais donc laisser la parole à mon invité ce soir, lui laisser le temps de se présenter et nous allons la découvrir ensemble. Alors bonsoir, Madame Ruth. Bonsoir, Pouvez-vous vous Madeline. présenter, s'il vous plaît, à nos téléspectateurs pour expliquer plus ou moins pourquoi vous êtes ici et comment vous êtes plutôt arrivé ici. Alors, bonjour à tout le monde qui sont en train de me suivre maintenant là. Je m'appelle Sœur Ruth Obueng. Je suis chantre, je suis chrétienne, je suis musicienne, je chante pour le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Alors, Sœur Ruth, nous sommes vraiment contents de vous découvrir. Merci. Alors, de quoi il s'agit? Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours, ce qui s'est passé pour que vous puissiez rentrer dans la musique, le message que vous donnez dans les chansons que vous chantez en général? Donc, normalement, je suis chrétienne et le Seigneur a mis un petit don en moi, le don de chanter. Donc, j'ai commencé à chanter dès mon bas âge. Alors, j'ai chanté à la maison. Je ne pouvais pas vraiment m'engager comme ça dans le corps du Christ sans pour autant rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand j'ai passé mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui a propulsé encore ces dons pour que je puisse encore chanter pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce jour-là, lorsque vous avez accepté Jésus et lorsque vous avez décidé de chanter ou vous donner pleinement dans le monde de la musique? Alors, pour commencer, j'ai mes parents qui sont chrétiens, qui sont fervents à l'école, à l'église. Mon père, il est diacre, il était diacre, maintenant il est pasteur. Ma mère aussi, elle était une servante de l'Éternel. Mais moi, j'ai partout c'est à l'église, mais je n'avais pas vraiment encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Alors, ce qui s'est fait, que quand je suis venue aux États-Unis, aux années 2014, alors le Seigneur Jésus m'avait vraiment visité. D'accord. M'avait visité, alors j'ai passé une expérience personnelle avec Dieu. J'ai senti le Seigneur Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit en moi. Alors c'est ce qui m'a vraiment propulsé, qui m'a vraiment poussé pour que je puisse servir le Seigneur Jésus-Christ. Comment ça s'est passé? Pouvez-vous nous donner un peu de détails? Parce que ce genre de témoignage, justement, peut ouvrir une porte pour que quelqu'un soit touché à son tour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le détail de cette expérience que vous avez partagée avec le Saint-Esprit, comme vous nous dites? Alors, avant de venir ici aux États-Unis, alors ça s'est fait que quand j'ai gagné les divis pour venir aux États-Unis, D'accord. alors j'ai passé un peu de moments de prière. J'ai voulu aussi quand même savoir, je voulais un peu sentir la chose que les autres ressentaient. Je pouvais voir les gens à l'église tomber sous l'onction. On prêche, ils sont là contents, ils sont là en train de jubiler sous D'accord. l'onction. Alors, quand je suis venue ici, alors ça s'est fait que quand je suis venue à l'église, alors, depuis qu'on était en train de. Donc, je ne peux pas expliquer. C'était quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai D'accord. senti seulement une joie. J'ai senti une onction, un bonheur que je ne peux pas expliquer. Je faisais que pleurer.
J'ai suivi même la prédication dehors parce que j'étais tombée, j'étais sous l'onction. Le Seigneur m'avait vraiment visité. Alors, c'est ça un peu mon petit témoignage. Cela a été le déclic. Depuis ce jour-là, des Yes. choses se sont passées, des choses ont changé. Il y a les choses ont changé, ma façon d'être, ma façon de s'habiller, ma façon de réagir. Le Seigneur pouvait aussi me guider. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, c'était juste à partir de ces moments-là. Et quel âge aviez-vous à cette époque? Oh, je crois 2014, j'avais déjà 18 ans et demi, je crois. Donc, vous étiez encore plus ou moins adolescente. Allez. Yes. C'est pour dire que même les adolescents peuvent rencontrer Jésus, ils peuvent avoir une expérience personnelle Yeah. avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Amen. Et donc, maintenant, nous voulons savoir un tout petit peu en ce qui concerne votre parcours dans la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer même maintenant dans le gospel à plein temps et commencer à chanter, avoir le courage de passer à la télé parce qu'il y en a qui n'ont pas le courage de chanter devant les caméras? Ok, quand j'étais petite, j'ai composé des chansons. Alors, j'écrivais des chansons. Parfois, je pouvais écouter un musicien. Là où lui n'a pas fini, moi, j'ai complété, j'ai ajouté quand même des paroles. J'ai composé des chansons. Si j'écoute la chanson d'une personne, ça me pousse encore à écrire encore d'autres choses. Donc, ça me venait seulement comme ça. J'écrivais des chansons. Mais je ne voulais pas vraiment m'engager directement à chanter. Parce que le Seigneur, quand il a parlé aux disciples, il les avait dit, n'allez pas prêcher, attendez d'abord que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Alors je voulais d'abord, je savais que les dons étaient là, mais je voulais que les donateurs puissent entrer en moi. Parce que si les donateurs entrent en moi, il va me protéger contre les vents et marées. Alors c'est à partir de là, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, là je suis entrée dans l'office, j'ai adhéré à l'office de musique de notre église. Et en 2022, je crois au mois de janvier, c'est là vraiment que j'ai senti dans mon cœur que c'était vraiment le moment. C'était vraiment le moment pour que j'entre en studio, pour que je puisse aussi partager ce que le Seigneur m'avait aussi donné comme Et chanson. d'accord. Et quel est le message que vous donnez, que vous propagez dans vos chansons? Quel est le message principal? De quoi il s'agit? Le message principal, quand nous chantons, le but principal, c'est de tourner les gens vers Jésus. Ce n'est pas vraiment tourner les gens vers nous, c'est tourner les gens vers Jésus-Christ. Alors, dans nos chants, chaque chanson a un message particulier, différent des autres. Il y a comme la chanson Golou, nous parlons aux enfants de Dieu, de la grâce, nous les rappelons, de la grâce que le Seigneur Jésus les accorde. Donc, c'est par rapport à la chanson, chaque chanson a son message spécial ou spécifique. D'accord. Et à ce jour, combien de titres avez-vous? J'ai déjà fait 5 chansons qui sont déjà sur la plateforme en ligne. Maintenant, là, je suis en plein studio pour de nouvelles chansons à venir. Ok. Et chaque chanson a un clip en ligne, c'est ce que vous voulez dire quand vous dites en ligne? En Il y a un ligne. clip pour chaque tube ou chaque chanson? Jusque-là, j'ai fait 3 clips, mais j'ai 5 chansons audio qui sont déjà en ligne. Ok. Et je vous ai entendu parler de Ngolou. Que vous pouvez-vous nous parler un peu de Ngolou? Parce que Ngolou, c'est une langue, c'est en langue. C'est pas en français, n'est-ce pas? Que veut dire Ngolou et quelle est l'histoire derrière Ngolou? Donc, Ngolou, c'est en lingala. En français, c'est la grâce. Pour les gens qui habitent ici aux États-Unis, c'est grace. Donc, la grâce, En grace. anglais, Dans Golou, c'est une chanson que j'ai. Donc, c'est parmi les chansons que j'ai composées au pays. C'était la toute dernière chanson. Mais j'avais juste une petite strophe. Alors, c'est quand je suis arrivée ici, qu'avec aussi d'autres expériences, ça a fait en sorte que je puisse terminer la chanson Golou ici aux États-Unis. Et quelle est l'histoire derrière Ngolou? L'histoire derrière Ngolou, c'est la grâce. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons trouvé grâce devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans Golou, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, les gens qui se découragent, qui ne savent plus, parfois les diables, parfois quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais les diables, parfois, ils viennent nous embrouiller, nous faire voir comme si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous décourager. Alors, par cette chanson, je viens rappeler à tout enfant de Dieu qu'il est un enfant de Dieu.
que tu es un enfant de Dieu. Alors ça donne la foi, ça donne le courage. Et par cette chanson aussi, je suis entrée comme de remercier le Seigneur qu'il m'a choisi, qu'il a choisi mon frère, qu'il a choisi ma soeur. Alors, donc c'est ça. Et donc, vous chantez principalement dans la langue lingala? Bon, non, j'ai aussi des chansons en français. Il D'accord. y a ma chanson Mbeka Nekulusu aussi. Ça aussi, un petit strophe là en anglais. Donc, ça dépend seulement comme je reçois l'inspiration de Dieu. D'accord. Étant donné que nous sommes sur le titre Ngolou, nous allons maintenant suivre un extrait de la chanson Ngolou et nous vous revenons après. Dieu envoyait le prophète Branham. Et en ces temps de la fin, nous envoyait Malachie 4, qui a révélé tout le mystère caché au cours des âges. Nous avons reçu la connaissance, nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons reçu la connaissance, Dieu lui-même vivant dans notre âme. Alors, bienvenue, bonsoir chez vous. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous avons pu suivre l'extrait de la chanson Golou. Alors, je vais poser la question à mon invité. Alors, Golou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Golou? Qu'est-ce qu'il y a à remarquer ou à retenir de Golou? Parce que je retiens que Golou veut dire la grâce, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous devons retenir à partir de là? La grâce, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, c'est quoi le message? C'est quoi ce que nous devons rester avec en sortant de Ngolou? Alors, pour parler de Ngolou, c'est une chanson qui est vraiment très spéciale pour moi, surtout parmi mes autres chansons. C'est une chanson parce que je connais vraiment la grâce de Dieu pour moi. La grâce de Dieu, je sais là où Dieu m'a pris. Je sais des sacrifices que je pouvais faire quand j'étais au pays pour que moi aussi je puisse quand même recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, il m'a donné son esprit par simplicité. Alors, cette grâce-là, c'est ce que je suis en train de chanter. Je suis en train de chanter. Il y a même mon quatrième couplet dans cette chanson. Là où je suis en train de dire, je l'ai bien chanté et je l'ai bien dit là dans la chanson.
Api singa molimo musantu, api singa molimo na ye. Na mwata ngomuke, akuya kuzwanga hoyo. Na kone toi elongo na basantu. Donc il m'a donné cette grâce et puis il m'a encore promis que je serai avec lui au ciel. Donc c'est une grâce. C'est une grâce. Je sais que ça va faire de la joie à tout enfant de Dieu qui pourront peut-être écouter cette chanson. Je crois vraiment que ça va leur bénir. Alors vous l'avez entendu, vous l'avez suivi avec notre sœur ici Ruth. Combien de fois la grâce de Dieu est abondante et peut toucher la vie d'une personne. Je vous prie maintenant d'aller regarder cette vidéo. Vous serez tellement bénéfique de ce qu'elle, de le message qu'elle est en train de donner là-dedans. Je vous invite aussi à vous abonner à la page, à notre page GLC TV, Charlotte TV, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité de vous abonner. Ça nous fera du bien. Cliquez sur la cloche pour vous abonner et cela va encourager à faire mieux. Alors, nous allons passer maintenant à quelque chose qui vient maintenant comme ça dans mon esprit. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, nous sommes jeunes et la plupart des jeunes passent par, de nos jours, hein, passent par des différentes expériences. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à des jeunes? Parce que vous avez parlé de votre expérience à l'âge de 18 ans. Quelle est l'expérience que vous pouvez maintenant donner à des jeunes gens de 18 ans, des adolescents, comme ça, qui sont en train de vous suivre? Quel est le conseil que vous pouvez donner? Donc, le conseil que je peux donner aux jeunes gens qui pourront peut-être suivre cette émission, c'est avoir Dieu, c'est très important. Avoir Dieu, c'est très important parce que nous avons vu des grandes personnes qui ont gagné des choses dans ce monde. Mais à la fin, ils sont devenus des malheureux. Nous pouvons même voir dans la Bible, il y a eu Salomon. Salomon qui avait des richesses, qui avait beaucoup de choses. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vanité des vanités. Alors, après tout ce que nous sommes en train de vivre ici, il y a une vie après. Alors, pour les jeunes gens, il faut vraiment servir Dieu. Il y a un bénéfice derrière ça. Le bénéfice que nous avons, c'est qu'après tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, il y a le ciel qui est quelque chose de réel. Alors, mieux vaut gagner le ciel que le perdre. Il faut éviter d'ailleurs l'enfer. Il faut faire tout pour éviter d'aller en enfer et faire tout pour gagner le ciel. Alors, le conseil que je peux donner à tout jeune, parce que moi aussi, je suis jeune, j'ai été jeune, je connais tout ce qui se passe dans la vie des jeunes. Alors, toujours jeune. Je suis toujours jeune, voilà. Alors, la chose importante, c'est avoir Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Tu as tout, tu as la paix, tu as le bonheur, tu as tout. Il y a quelque chose de bon quand tu as Dieu. Alors, je vais vous poser la question, pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi les États-Unis? Pourquoi l'Amérique? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial qui vous a poussé à venir plutôt ici qu'ailleurs? Bon, le Seigneur, il avait fait en sorte que, que je puisse gagner au Divi, Divi Loterie. Alors, quand j'ai fini mes études de secondaire, alors le Seigneur humanitaire, le Seigneur a fait en sorte que je puisse venir aux États-Unis par Divi. Alors, c'est ce qui a fait que je puisse venir ici aux États-Unis. Depuis vous exercez comme dans le monde de la chanson, là où dans l'église où vous priez. Ok. All right. Oh, je vous invite à vous abonner encore une fois de plus sur notre page Facebook. Nous avons une page Facebook GLC, la page de l'église GLC où nous avons des prières. Nous diffusons notre temps de prière en direct. Le mercredi, le vendredi et le dimanche. Cela sera bénéfique pour toi, puisque je t'invite aussi sur place, sur la localité même de l'église. L'adresse va s'afficher sur ton petit écran. N'oublie pas de liker la page et de laisser un commentaire. Si tu as besoin de contacter la sœur Ruth, tu peux laisser un commentaire. Nous aurons la possibilité de transmettre l'information. Alors, sœur Ruth, qu'est-ce que vous avez encore à nous dire concernant la suite des chansons? Quelle autre chanson nous allons écouter de vous aujourd'hui?
Je peux vous proposer la chanson Il est Dieu. Alors, c'est quoi l'histoire? Avant de commencer, avant d'aller sur la chanson Il est Dieu, parce que la chanson parle d'elle-même, le titre parle de lui-même, n'est-ce pas? Il est Dieu, je crois que tu parles de Dieu. Yes, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour donner une petite histoire par rapport à cette chanson, Il est Dieu, c'est une chanson que j'ai reçue. Donc, j'étais vraiment dans des épreuves, une grande épreuve là. Quelque chose qui pouvait te faire couler des larmes. Et je me rappelle comment j'ai reçu cette chanson. C'était que j'étais quelque part avec la famille, nous avions comme une fête. Alors j'ai écouté comme s'il y avait des gens qui chantaient de loin. Alors je pouvais quand même capter les messages qu'ils étaient en train de dire. J'ai écouté les gens qui étaient en train de dire Je chanterai les merveilles de mon Dieu. Je louerai la grandeur de son nom. Il est Dieu. Il ne ment jamais. Ses promesses s'accompliront toujours. Alors, sa chanson disait que tout ce que Dieu promet, il le réalise. Même si ça prend du temps, il réalise toujours ses promesses. Alors, j'avais juste ces refrains. Alors, j'avais gardé ça. Parce que souvent, quand je reçois quand même une inspiration, je ne suis pas là, peut-être je suis en train de forcer. Je laisse toujours, soit Dieu puisse me donner les paroles, s'il sait que c'est sa chanson qui me donne les paroles. Alors j'avais juste ces petits refrains. Alors le jour qui a suivi d'après, j'étais en train seulement de penser aux bontés de l'Éternel. Je me disais, ah, comment est-ce que c'est Dieu quand il promet quelque chose à la personne? Tu étais même enfant, toi tu as même oublié, mais lui n'oublie jamais. Tu vas voir les gens, le temps passe, mais un jour ça va s'accomplir. Alors je me suis D'accord. dit, ah, ça c'est comme une science. C'est plus qu'une science. Maintenant je me disais, si c'est une science, ça me dépasse. Alors c'est là où j'ai écrit le premier couplet, une science au-dessus de ma portée. Et j'ai vu aussi ces mêmes paroles encore dans la Bible. Je l'ai vu là où David a écrit dans Psaume, je crois ça 36, là où il dit. Que tes pensées au Éternel me semblent impénétrables, une science au-dessus de ma portée. Donc, C'est vraiment une inspiration venant yeah. de Donc, je Dieu, ne savais même waouh. pas que c'était dans la Bible, mais j'ai écrit ça. Donc, c'est comme une inspiration. C'est pour vous dire que quand une inspiration vient, ça doit matcher avec la parole de Dieu. J'ai vu que ça matchait aussi avec la Bible. Je me suis dit, waouh, ça c'est Dieu. Et aujourd'hui, vous allez nous faire une surprise de chanter pour nous, pour Yeah. le peuple de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu. Alors, nous allons laisser un petit espace. À la sœur Ruth de pouvoir chanter et de nous bénir. Si vous êtes là, il faut liker. Likez la page encore une fois. Ok? À toi, la sœur Une science au-dessus de ma portée, immuable et mon Jésus, tout ce qui promet, sache qu'il l'accomplira, car il est Dieu, il ne ment jamais, ses promesses s'accompliront toujours. Je chanterai le merveille de mon Dieu. Je louerai la grandeur de son nom. Il est Dieu. Il ne ment jamais. Ses promesses s'accompliront toujours. Dans mes combats, la grande colonne des feux. Je ne crains rien car il est avec moi. Sa parole, l'éternel des armées. Oh, il est Dieu. Il ne ment jamais ses promesses. Oh, je chanterai le merveille de mon Dieu. Jamais ses promesses s'accompliront.
seront toujours. Wow. Il faut encourager la sœur Ruth. C'est vraiment, vraiment bien ce que vous faites. Merci Merci beaucoup. de nous venir comme ça. Ça fait combien de temps que ce tube est sorti? Je l'ai fait, c'est sorti en mars, le 25 mars De cette année? de cette année 2023. Ça fait déjà le 25 mars 2023. Il y a quelques mois déjà. C'est très beau. Merci beaucoup. C'est très encourageant. Merci. Et qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui sont en train de combattre pour ici ou dans ce pays pouvoir enregistrer leur propre chanson à eux? Quel conseil vous pouvez donner à un chanteur qui est en train comme ça de chercher à qui ne sait pas, qui n'est pas très sûr, qui n'est quel conseil pouvez-vous donner parce que vous avez déjà fait l'expérience Dans les conseils de que je peux donner à un chanteur qui cherche aussi à émerger, attends-toi à Dieu. Alors, il faut que Dieu puisse t'envoyer. Et puis, attends-toi à Dieu. Si Dieu te dit que c'est le moment, il faut persévérer. Et surtout quand c'est Dieu qui te dit que c'est le moment, il y a toujours les épreuves qui viennent. Il y a toujours quelque chose qui vient pour te décourager. Alors, je vais dire à celui-là ou celle qui veut faire des chansons, si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, persévère, continue toujours avec le Seigneur. Le Seigneur va t'aider à émerger. Alléluia, c'est très, très, très important. Vous avez écouté le conseil de la sœur Ruth, c'est le Seigneur seul qui peut nous aider. Alors, la dernière fois, nous avons parlé ici sur ce même plateau d'une situation avec les jeunes. La plupart des jeunes qui arrivent d'Afrique, quand ils arrivent ici, ils sont là. On est beaucoup plus à la recherche de l'argent et du travail. On ne dit pas qu'on ne doit plus travailler, mais parfois, on priorise maintenant l'argent à la place de Dieu. D'accord? Vous êtes jeunes encore, n'est-ce pas? On est tous des jeunes et on est venu chercher notre vie, chercher beaucoup plus de stabilité, le moyen peut-être de pouvoir aider notre famille en Afrique. Mais la priorité, quelle est la priorité? À quoi devrons-nous donner la priorité ici sur place? Vous êtes aussi maintenant une jeune dame qui vit ici aux États-Unis et qui exerce maintenant dans la musique. Je suppose que vous travaillez aussi. Vous êtes occupé à l'église aussi, vous Yeah, avez une chance. responsabilité. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire comme ça à des jeunes pour les encourager beaucoup plus à prioriser Dieu, quelles que soient les occupations, quelle que soit la recherche de l'argent et la stabilité? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous conseiller à ce niveau? Donc, pour vous parler déjà de ça, je vais dire à tout jeune que Dieu est très important. Dieu est très important. Alors, la personne qu'il faut prioriser avant toute chose, c'est Dieu. Dieu est vraiment très important dans la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui te donne les souffles de vie. C'est Dieu qui te donne même la force d'aller au travail. S'il veut seulement que tu puisses pas aller au travail, il peut même te donner la maladie, tu ne sauras pas aller. Alors, la chose capitale, c'est qu'il faut prendre Dieu en première position. Quand tu as Dieu, il va t'aider. Parce que tu vas chercher l'argent. C'est toujours un bonheur. Tu auras toujours quelque chose insatisfait quoi. Alors, tu seras pas, tu vas pas, comment je peux dire, tu seras pas toujours satisfait. La vraie satisfaction, c'est en Dieu. Je le parle avec expérience. Je ne le dis pas seulement pour le dire, mais je le dis avec expérience. C'est Dieu. Si tu, Dieu est très important dans toutes choses que nous faisons. Dans les mariages, dans la vie courante, dans les études, dans tout ce que tu fais, Dieu est très important. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Je vais poser encore une autre question. Mais avant de continuer, je vous invite à liker, 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 à aimer la page de notre chaîne sur YouTube. Je t'invite à t'abonner. Nous faisons des émissions 2 fois par mois. Et ces émissions sont diffusées. Vous avez la possibilité d'avoir tout de suite une notification toutes les fois où nous avons la possibilité de diffuser une émission. Je t'en prie, s'il te plaît, abonne-toi, ça va nous encourager. Alors, je voulais poser encore une autre question concernant ce parcours très, très, très intéressant de la sœur Ruth. D'accord? Vous êtes occupée, vous avez des occupations certainement assez importantes ici. Alors, c'est quoi? Quel est maintenant, c'est quoi le niveau? Comment je vais poser cette question? Essayer de poser cette question. Quel est le niveau
d'importance que vous pouvez donner maintenant à la musique dans votre vie aujourd'hui, étant donné que vous êtes devenue une star. Vous êtes en train de prendre maintenant, d'occuper certaines plateformes sur les réseaux. Non, ça va venir, même si vous n'êtes pas connue aujourd'hui, mais ça arrive. Alors, quel est maintenant, de quoi, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer tout ça? Et vous, je suppose que vous êtes mariée. Est-ce que cela prend une certaine place dans vos vies, dans votre vie au point de ne pas s'en sortir au niveau social, professionnel ou bien marital? Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Alors, pour être franche, je vais essayer d'être franche à cette question. Avant tout, je suis chrétienne. Alors, D'accord. avant tout, avant la musique, avant tout ceci, je suis chrétienne et je connais mes limites en tant que chrétienne. Je sais ce que Dieu dit de moi en tant qu'une femme à la maison. Je sais que Dieu dit, je sais que quoi dit, Dieu dit de moi en tant que chantre. Alors, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous essayons des maladies, tout cela. D'accord. Et nous comptons sur le Seigneur Jésus. Et quand celui, il va ordonner que les choses soient faciles pour toi. Alors, je suis une mère, j'ai fait mes occupations en tant que mère. Quand il faut le faire, je le fais. Et j'essaie aussi de le faire très bien. Quand il faut chanter pour le Seigneur, je le fais aussi Donc, on très fait le bien. partage des choses. Je ne fais pas la part, je ne prends pas le temps pour ma famille, pour faire ceci. Non, je le fais en ordre parce que la parole nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Alors nous essayons de faire tout par la volonté de Dieu, nous demandons la volonté de Dieu pour servir Dieu. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et des limitations dans votre parcours, dans le parcours, je veux dire, dans votre essor de la musique? Quelles sont les limitations et les problèmes, les blocages que vous avez pu rencontrer et qu'est-ce que vous en tirez, de là? So, des problèmes. Ou des blocages, disons. Des blocages. Spécialement ici aux États-Unis. Je suis sûre que ce n'est Bon. pas facile. Il y a bon, c'est toujours, ce n'est pas facile parce que vu que nous n'avons pas des producteurs, tu es en train de faire quelque chose, c'est moi, toi et ton mari. Et bien sûr que le Seigneur aussi parfois, il nous donne des gens qui sont tout autour pour nous aider. Alors, avec... Donc j'essaie. vous avez dû financer toute seule. Vous n'avez pas, vous n'aviez pas de Non, sponsor ou de soutien. je n'ai pas de soutien producteur. Non, 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 Et non. vous désiriez en avoir? Bon, si quelqu'un se pointe là pour me produire, elle sera toujours la bienvenue. Ben, C'est c'est la personne. l'occasion de faire un appel à Ah tout oui, producteur ou tout producteur toute qui. personne qui voudrait vous soutenir. C'est l'occasion d'appeler, de faire un appel. Toute personne qui aimera soutenir ces petits dons que le Seigneur Jésus m'a donnés, elle sera toujours la bienvenue. Et je serai contente et Dieu va bénir cette personne encore davantage. Alors, nous sommes ici sur le plateau GLC Show, ici sur Place à Charlotte. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la page, n'oubliez pas de laisser les commentaires. Les commentaires nous font du bien. C'est la preuve que vous nous suivez et c'est surtout la preuve que vous aimez ce que nous faisons. Je vous invite à laisser un commentaire pour nous encourager et nous dire ce que nous pouvons changer ou ce que nous pouvons garder. Alors, je vais avoir une dernière question pour la sœur Ruth, parce que maintenant, ça fait longtemps que je la garde sur le plateau. Une dernière question concernant l'Église en général. Est-ce que vous serez limité au niveau de l'Église? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on va vous inviter, quelle que soit la congrégation, quelles que soient les dénominations, vous êtes invité, vous serez invité à partir, à chanter, à bénir le peuple de Dieu. Oh, merci beaucoup pour la question. Alors, pour répondre à cette question, je vais dire ceci. Nous sommes serviteurs ou servantes de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de faire toutes choses, en tout moment, nous voulons toujours demander la volonté de Dieu. Alors, pour exercer mon ministère n'importe où, ce n'est pas un problème. Ce fait que Dieu me dise, vas-y, je m'en vais. D'accord. Alors, si Dieu dit non, c'est non. Mais ce n'est pas que Limite je me au limite niveau de à la quelque part. congrégation. Non, non, non.
Comme vous l'avez entendu, la sœur Ruth est prête à venir chez vous. Si vous êtes prête à l'inviter, elle sera disponible pour bénir le peuple de Dieu. Alors, vous pouvez la contacter. Son contact et son contact, n'est-ce pas, va s'afficher sur le petit écran pour avoir la possibilité de rentrer en contact avec elle. Si vous aimez sa musique, si vous voulez qu'elle puisse venir bénir le peuple de Dieu, elle vous serez la bienvenue. Alors, nous sommes en train de chuter maintenant sur notre émission. Je vous invite encore une fois de plus à liker cette page, à vous abonner. Et surtout, surtout, nous avons besoin aussi de vos commentaires. Ça va nous aider. Que ce soit sur Facebook, nous avons une page Facebook, nous avons aussi une page YouTube. Je vous invite à vous abonner. Alors, nous allons maintenant donner la possibilité à notre sœur Ruth, si vous avez... si vous avez envie de saluer une ou deux personnes, vous avez maintenant la possibilité, une ouverture, de pouvoir saluer quelqu'un que vous aimez, de pouvoir encourager ou du moins remercier les certaines personnes qui vous soutiennent depuis le début. Vous avez la possibilité de le faire. Alors, je vais premièrement dire merci à ces beaux cadres qui m'ont reçu. JLK TV, Jo. Alors, j'ai dit merci à vous. Merci à Maman Dominique qui m'a reçu sur son plateau. C'est vraiment... D'accord. J'ai été bien accueillie. J'ai dit vraiment merci. Merci à Maman Marthe. Merci à la personne derrière les caméras, le frère Jules. Merci à tout le monde. Merci à mon mari. Merci à mon pasteur qui ne cesse de me soutenir toujours. Merci à toute personne qui est toujours là pour m'encourager à la prière, pour me fortifier, pour être là. Merci à Maman Ruth Bazenga-Ngemba. Merci à mon guitariste, mon soliste. Merci à tout le monde qui va suivre cette émission et que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Nous venons bénir maintenant toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin, ceux qui se sont abonnés et ceux qui nous encouragent tout le temps. Soyez bénis, recevez-nous dans vos maisons, que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous tenons à saluer particulièrement des personnes qui constituent des piliers de l'église GLC ici sur place. Nous voulons saluer Maman Béa, Maman Hélène, Maman Jeanne, Maman Belbiche. Nous saluons aussi le pasteur Marthe, pasteur Eric. Nous saluons le pasteur Maman Jackie, j'oubliais. Maman Bernadette aussi. Nous saluons tout le monde en ce moment qui nous suit et soyez vraiment bénis de Dieu du fait de tous vos encouragements, du fait que vous nous recevez à chaque fois dans vos maisons, vous nous donnez le temps de pouvoir nous suivre. Merci beaucoup de votre soutien. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Likez encore, partagez, n'oubliez pas de partager, invitez vos amis, invitez vos frères, n'oubliez pas d'envoyer le lien à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce témoignage, qui a besoin d'écouter, d'être fortifié par ce témoignage si lubrifiant. Nous voulons maintenant vous recommander, nous recommander maintenant à la fin de cette émission, nous prions vraiment que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Soyez bénis et restez connectés. Que Dieu vous garde. Nous avons reçu la connaissance, nous sommes l'épouse du Christ. Nous avons reçu la connaissance, Dieu lui-même vivant.